En convertissant le premier épisode, je me suis rendu compte que j'avais 1 million de places en fait sur le disque dur, donc on va continuer à tourner. Parce que j'ai envie de jouer, je vais jouer, jouer! Et on va changer un truc, j'ai augmenté un peu le volume de la musique, parce que je me rends compte qu'on n'entend pas trop, et c'est dommage. Peut-être pas non plus comme ça, mais ça va être mieux comme ça. Bon, et donc on devait suivre Madame la Nordique complètement musclée. Alors un coup de part dans une direction, un coup de part dans l'autre. Mais on te suit, écoute. Nous devons dire à Stan ce que nous avons vu. Qu'est-ce que t'allais dire? Excuse-moi, je t'ai coupé. Bon bah désolé, je t'ai coupé. Hein. Il y a sans doute une méga référence qui me faisait trop plaisir. C'est pas grave. Le village n'est plus très loin. Storn a dressé une barrière magique tout autour pour protéger les rares villageois encore plus. Oula, c'est un bon lui. C'est plutôt bon signe. Et tu vois ça toi? C'est le vent là? Ah d'accord, c'est ça la barrière? Ah oui, il y a le village devant, je suis aveugle. C'est un bon chaman lui, dis donc. Village Skull, nouvelle découverte. Je te suis. Comme un perso de ses suites, je suis tes pas. Ça m'a toujours fait marrer ça. Père, je suis de retour. Tout n'est pas perdu. Non, le héros est arrivé. Quelle nouvelle nous apportes-tu? Moi. As-tu trouvé le moyen de sauver notre peuple? Non, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a vu certaines choses. Coucou. Il a pu confirmer que Nirak était bien responsable des souffrances de notre peuple. C'est bien ce que je craignais. Ah, c'est con, hein. Mais comment est-ce possible, après tout ce temps? Il y a encore trop de choses que nous ignorons. C'est ça. Expliquez à Storm ce qui s'est passé. Parlez à Storm Marshall. Oh, je suis sur ton portail. Chose, pas? Ma magie s'affaiblit et avec elle, la barrière autour de notre village. Le temps presse. Dites-moi ce que vous savez. J'ai vu Mirak. Vraiment? Comment? J'ai lu un livre dans le temple de Mirak et je me suis retrouvé ailleurs, nez à nez avec lui. En lisant un livre, pose pas de questions, c'est un peu comme l'histoire sans fin, tu vois, c'est... Les légendes parlent de ce temple. De terribles batailles s'y sont déroulées. De colère, les dragons l'ont réduit en cendres. Sérieux? On raconte aussi qu'il renferme bien pire que des dragons. C'est bah ça se voit. Mais si c'est vrai, ça va ah bah c'est dire plus que vrai. Les craintes se sont confirmées. Mirak n'est jamais vraiment mort, et il est aujourd'hui de retour. Si vous pouviez, ouais. Pas, êtes-vous comme Mirak? Êtes-vous enfant de dragon? Ouais, et d'ailleurs je me rends compte d'un truc. Si ce con avait pas envoyé des adeptes pour me buter, j'aurais jamais su qu'il était là-bas, et j'aurais pas eu à lui péter sa gueule. Franchement, c'est pas très malin. Je suis effectivement enfant de dragon. Alors, il y a peut-être un lien entre... Nos légendes racontent qu'il était lui aussi enfant de dragon. Bah, c'est ce qu'il m'a dit, écoute. Nous sommes tous deux enfants de dragon, qu'est-ce que ça signifie? Je n'en suis pas sûr. Cela pourrait vouloir dire que vous êtes la clé de notre salut. Mais aussi que vous pourriez amener notre destruction. Mais non, je suis un gentil, moi. Dans tous les cas, le temps joue contre nous. Les rares villageois encore libres ne pourront plus tenir très longtemps. Ah, tu m'étonnes. Rendez-vous au cap de Sering. Vous y découvrirez le mot que Mirak a appris autrefois. Ensuite, utilisez ce pouvoir sur la pierre du vent. Il vous permettra ah, je me souviens de la pierre du vent. De libérer notre peuple de ce qui les contrôle. Bah bon, on y va. Qu'est-ce que tu sais de Mirak? La plupart de nos connaissances à son sujet se sont perdues au fil du temps. Bah tu m'étonnes. C'était un enfant de dragon, mais... Il servait les dragons. C'est pas du tout logique. C'était un prêtre de leur ordre, aussi puissant que respecté. Ah bah s'il était Dragonborn, tu m'étonnes. Jusqu'à ce qu'il les trahisse et devienne une menace pour eux. Il a été vaincu il y a bien longtemps. Mais il semblerait qu'il n'ait jamais été complètement anéanti. Est-ce qu'il s'est seulement battu en vrai? Il y a autre peuple, qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont sous l'emprise d'un pouvoir maléfique. Ah oui, ça, oui.
Au départ, c'était seulement la nuit. Mais à présent, ils passent tout leur temps à construire une sorte de temple autour de la pierre du vent. Oh. Je pense que si ce temple est détruit, les Skalls retrouveront leur liberté. Et pourquoi de leur prendre un mot de puissance ? Si Mira est responsable de ce qui arrive à notre village, le savoir qu'il a obtenu en tant qu'enfant de dragon est au cœur du problème. C'est logique. Vous êtes enfant de dragon, aussi. Ce pouvoir vous revient également. Ouais. Vous l'utiliserez peut-être à de meilleures fins. Oui, je suis un gentil. Moi. Que l'obscurité vous sépare. Tu viens avec moi, toi ? Nous aider. C'est bien vous. Ouais, tu te bats bien pour une chamane, c'est vrai ça. Notre ancien chef, il m'a initié à l'art du combat. Bien. C'était un guerrier aussi imposant que redoutable. J'en avais une peur bleue quand j'étais plus jeune. J'étais une enfant agitée, pleine de colère. Skaff m'a appris à manier l'épée pour faire bon usage de ce feu, comme il disait. C'était un grand chef. C'est sympa comme gars. Et un grand chef. Il me manque terriblement. Il est plus sympa que le chef d'escale qu'il y avait avant. Elle est morte quand j'étais toute petite. Désolé. Elle était partie ramasser du bois de chauffe quand une terrible tempête de neige l'a emportée. Wow. Pour l'escale, la vie est une lutte constante. Nous ne prenons rien pour acquis. Entre les loups, le climat et les dangers du sud, une tâche aussi simple que celle de ramasser du bois pour le feu peut rapidement devenir mortelle. Ouais, quand il y a des loups-garous, des fois aussi, il faut faire gaffe. Ouais, bah ouais, pourquoi vous barrez pas ? Ça, enfin, un grand arbre profond. C'est parce que c'est chez eux, quoi. Je sais que ça doit vous paraître incompréhensible, mais pour la terre et l'escale ne font qu'un. Je ne vois pas d'autre manière de vous répondre. Non, je comprends très bien, n'inquiète pas. Mais tu veux pas me suivre, toi ? Je ne vais pas pouvoir maintenir la barrière très longtemps. Nous devons nous concentrer sur le sort de Storm. Bon, je vais refaire un peu le tour. Ça, c'est la grande salle. Putain, c'est un peu. C'est un peu moins large qu'avant. On va visiter un peu, hein. Ce bon village d'escale, c'est un endroit que j'aime bien personnellement. Enfin, en tout cas, dans Blood Moon, c'est un endroit vachement cool. Donc, y a pas de raison que ce soit moins cool ici. Hein. Ça a quelque peu changé, c'est vrai. Oh, y a plus le barrière des falaises qui était accroché. Ça, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé, ça. Ils ont un peu changé l'architecture. Bon, tu me diras, en 200 ans, la bâtisse en bois, elle va pas tenir. Ninja. Oh, facile. Des perles. Non, prends la petite perle. Voilà, ferme la vitre. Oui, c'est pas bien de voler, mais bon, moi j'aime bien. Allez, on se dépêche. Les temps de chargement sont un peu baissés. Putain, il y a une jolie vue d'ici. C'est mal qu'il y ait autant d'eau derrière là parce que. Oh! Ah, effectivement, ça a changé quand même depuis le temps. C'était pas aussi proche, attends, la rive. Bon, en même temps, ils refont le relief, hein. Il y a des trucs qui changent. Je crois pas que c'était non plus aussi près du bord de mer. Enfin, hutte du chaman, bon, ça c'est la maison du chaman. Est-ce qu'il y a la maison du Sanskal? Hein, si ça pouvait redevenir ma maison, ça serait sympa. C'est pas un nom de... Bref. Bon bah on va y aller. On va aller voir... C'est où faut que j'aille. Apprenez le mot de puissance, c'est où? Oh, c'est loin. Bon, c'est parti. Par contre, je vais attendre qu'il fasse jour. Parce que j'aime pas trop, il y a juste de nuit, vous avouerez. Le bruit de vent, là, il est assez fort. Bon, je suis en montagne, c'est normal, mais quand même. Allez, on est reparti. Ouais, je disais, ouais, le relief a vraiment vachement changé, là, sur le coup. C'est pas un mauvais point, hein, ça aurait été con, de toute façon, de parcourir un truc qu'on connaît déjà. Bon, c'est dommage. Oh putain, l'arbre bugué, là. Ouh!
On n'a rien vu. On n'a rien vu. Par contre, je vais peut-être aller découvrir la pierre dressée là-haut. La nuit. Ah, mais c'est des scales. Ah, mais c'est la pierre du vent, ce parfait. Qui nous a été volé le jour. Encore loin de nous. Si je retouche la pierre. Il se rapproche pas à pas. What the fuck? Vous voyez à travers moi. Qu'est-ce qu'il va me dire, Mirac, encore? C'est tout? Je m'en vais. Oh. Depuis quand j'ai un marteau aussi? Quand le monde écoutera. Et quand le monde verra. Et quand le monde se souviendra. Ce nouveau design des pierres est pas moche. Enfin, je préférais l'aspect très simple et très genre pierre levée comme ça, menhir de Blood Moon, mais bon, c'est sympa aussi. Ouh, l'attention. Wow, 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 je commence à me faire emporter. Serana, elle va y arriver, elle. Ramène-toi. C'est bon, elle est passée. Attendez, je me gratte l'oreille. Ouais, tranquille. Ah, je vois l'endroit où on doit arriver sur le radar. Oh putain. Oh putain, l'esprit Gan. Non, 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 pas l'esprit Gan. Non, pas l'esprit Gan. J'ai pas l'esprit Gan. Je vais crever, non. Faut que j'évite de crever là. Est-ce que j'ai pas des... Ouais. Voilà. Putain, le boost de défense qu'elles ont là juste avant de crever. Tellement chiant. Voilà. Elle est où la deuxième? C'est un renard des neiges, mais le pauvre. Voilà. J'ai pas tué un pauvre renard. Attends, il s'est fait posséder. Pauvre renard. Il y a un truc derrière là où j'arrivais? J'arrivais. Ah, par contre, j'ai pas découvert le lieu, ça c'est un peu débile. Paf. Ouh, ma jambe, attention. Ah. Grotte de l'Arstrad. Putain, on va aller là. Une grotte sous une cascade, sérieux là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ouh, par contre, là, la Spriggan. Je t'ai vu. J'aime pas trop attaquer les créatures de la nature, mais là franchement les Spriggan, elles ont qu'à pas m'attaquer à vue aussi. Voilà. Squelette. Y'a quoi dans ce coffre? Hachoir d'Almagam, ouais. Tout ce qu'il y avait ici, ça? L'autre, elle le ressuscite et se fait frapper par son invocation, quoi. N'importe quoi. C'était juste pour ça. Ouais, je pensais qu'il y avait un truc épique et tout. Non, une Spriggan et un coffre. Sympa. Bon, c'est un joli endroit. Par contre, la mise en route, là... Là. Oh, d'accord, c'est là. Ouf. Et on y va. On va sauvegarder aussi parce que mon esprit gagne, j'aime pas ça. Ah là c'est moins bugué par contre les armes. Putain, il était bugué. On n'est plus très loin. Non, on n'est plus très loin. Non, je veux pas de... Voilà. Bah, c'est vrai que c'est... plutôt petit par rapport à bord de ciel, mais en même temps c'est normal, ça fait... je crois que ça fait l'équivalent d'une châtellerie. C'est pas mal quand même. Mais à l'échelle je crois que c'est plus petit que ce qu'était Blood Moon. Enfin légèrement quoi, mais plus petit quand même. Ben Conger, ok.
va voler. Je ferai des trucs qui servent à rien, mais c'est pas grave. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, j'hésite, hein. Plus cette grotte, elle me dit un truc. Mais vraiment, le nom. Non, si elle vient pas de Blood Moon, elle aussi. Bon, ça semblerait logique, mais bon, il y a des trucs qui sont en jeu qui doivent pas être de Blood Moon et vice versa. L'indiscrétion. Là, l'architecture, peut-être des Ricklin, du coup. Bah, carrément des Ricklin, ouais. Enfin, il y a vraiment d'architecture dans Morrowind, mais là, vu que c'est nouveau, c'est une supposition. Que des coffres novices dans le tas. Ils savent pas quoi, ils savent pas verrouiller une serrure. Le pet vert, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a un levier? Bon, je vois pas de levier. Ah, par toi. C'est pas grave, on va avancer. Oh oui, c'est des Ricklin, ça. J'aime.